Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de la Favelas Gang pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose le quatrième face-à-face de crew, la Favelas Gang qui retrouve le crew Always Gamer Official pour un affrontement, pour trois affrontements. Voilà, donc trois maps à moi, comme d'habitude, 10 minutes sans objectif de score, on n'appelle pas les stars. Nous, on joue pas l'explosif, nos adversaires y jouent. Bah ils font comme ils veulent, ils sont grands, donc voilà, merci pour l'activité au passage, qui nous fait vraiment très très plaisir autour de la chaîne et de la page Facebook, merci beaucoup à tous. Donc voilà, c'est parti, première map, guerre dans le territoire des Balas, enfin le gang qui habille en vert. On a toujours cette bonne vieille tenue de crew, nos ennemis n'ont pas de tenue de crew, rien qui peut faire croire qu'ils sont vraiment du même crew, ils sont un peu habillés différemment. Donc voilà, c'est parti, on y va, mitrailleuse de combat, tranquillement, hop, fusil à pompe dans le dos, on se balade dans les allées, hop, on se fait bien déglinguer la gueule. Pour commencer, c'est parti. Oh, l'explosion, regardez ça. On s'y attendait pas, cette bonne explosion. J'utilise l'explosif, ça ne nous plaît pas forcément. Du coup, je me venge, coup de fusil à pompe dans le dos. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Hop, là, je me fais bien enchaîner. On était bien sorti à découvert. Quelle imprudence de ma part. Là, j'y vais tout doucement. Est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il m'a vu? J'espère pas qu'il m'a vu. Je me cache là. Ah! Il y avait un de ses collègues qui m'avait niqué, ça c'est vraiment bien joué. Je sais pas si c'était vraiment fait exprès, s'il y avait eu une communication, mais c'était bien joué. On a délogé un petit pigeon qui est en train de chier sur le toit. Alors regardez, superbe, superbe séance. Pour la visée auto et je suis perdu. Ah, je me fais éclater. Je vise n'importe où, ils étaient deux, alors je croyais qu'il y en avait qu'un. À oublier, cette séquence-là aussi à oublier. Qu'est-ce que je branle? Je bouge comme ça, personne. Et là, regardez, erreur professionnelle, messieurs, dames. Là, je devais l'avoir, je prenais le fusil à pompe, il était fini. Non, ah, mon perso qui fait un salto arrière. C'est faux jeu olympique. On continue dans le domaine aérien. Superbe saut, Superman s'écrase la gueule par terre et il fait un rebond. Donc voilà, on gagne cette première map. C'était plutôt serré, mais on part sur de bonnes bases. Une victoire. Allez, seconde partie. On y va, petite map dans le port, donc voilà, des conteneurs. Je vous ai déjà proposé cette liste, donc voilà, des conteneurs, toujours cette notion de labyrinthe qu'on retrouve tout au long de l'affrontement. Donc voilà, c'est parti, mitrailleuse de combat en main, accompagnée de mes collègues, c'est parti. On y va, on va essayer de gagner cette map. Pour gagner le face-à-face et jouer la troisième map pour du beurre. Donc c'est parti, on continue, mitrailleuse de combat. Je me fais bien aligner de loin, je suis encore bien bien imprudent. Jeune padawan. Donc là j'essaye un peu de me rattraper, ouais, tranquille comme ça, allez. J'avais fait une erreur, mais bon, je me fais aligner derrière, une bonne répartition, ils se sont bien dispersés. C'est plutôt bien joué de leur part. Hop, le long shot qui va bien. Petit long shot. Là, hop, toi tu dormais là-haut, tranquille, au soleil, tu bronzais, pépère. Là, regardez, superbe séquence, tir au jugé, je dois l'avoir, et lui non, mais non, il m'a eu quand même. Et voilà ce qui arrive. Mais je suis combattant, je retourne au même endroit, je retrouve le même mec, et là, cette fois-ci, je l'ai. J'ai même un de ses collègues, génial. Je me cache derrière, on essaye de voir s'il n'y a pas 2-3 personnes. Là, je monte, je me dis, allez, je vais faire mon campeur, tranquille, et non, on m'a vu, on m'a délogé. Voilà, pas de campouse. La logique a été respectée. Donc là, on a changé de spoon. Tout à l'heure, on était de l'autre côté. On les a fait bouger. Donc voilà. Ouah, la lance-roquette, génial. Génial, la roquette, qu'elle est belle. On va les déloger. Ils étaient planqués en haut. C'est pas bien de camper. C'est pas bien. Et voilà, on gagne cette deuxième map. Donc voilà, c'était assez serré. Ok,
Troisième map, c'est parti. Le face-à-face de crew est gagné. Vu qu'on a gagné les deux premières maps. On enchaîne sur cette troisième map. On joue pour le bonheur. On veut conforter notre autorité. On veut montrer qu'on est toujours le patron, même quand on a gagné deux maps. Donc on y va. On met de l'envie. Ça campe un petit peu, je vous le cache pas. Regardez ces quelques séquences qui vont venir. Là, ça campe. Hop, c'est un collègue qui va me déloger. Là, ça campe encore et je vais recevoir un cadeau surprise. Attendez-vous à un cadeau surprise. Oui, Noël. Ouh. Le Père Noël qui passe et qui m'éclate la gueule avec sa grenade. Ça, c'est pas cool. Ah, de loin, au sniper, salaud. Le score est serré, on gagne vraiment de peu. C'est vraiment pas flagrant. C'est vraiment pas flagrant. C'était pas évident, je me fais arracher la gueule. Je fais une très mauvaise partie. Et là, je vais me faire éclater dans le dos. Aïe, ma colonne. Je commence. Oh là là, mon collègue qui saute et je me barre. Regardez, super. Superbe séquence signée Tafelman. Ah ! Là, je me fais bien éclater aussi. Eh bah, dis donc. Bon, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On approche de la fin sur ces derniers moments de shoot et de kill. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à aller faire un tour sur la page Facebook, à mettre un commentaire. Et voilà, je vous embrasse. Merci pour les vues, merci pour tout. Et à la prochaine. Ciao, ciao.